Et salut les amis, c'est SoYouGeek et aujourd'hui vidéo découverte, détente, tout ce que vous voulez, ce que je vais faire sur le montage sur le jeu Runin. Runin, ouais. Bah ben voilà, c'est bon, j'ai fait la blague de Pikmin sur Brawlhalla, lol. Bah, le jeu. C'est créé par Developer Digital et j'aime beaucoup ces styles de jeu, par exemple Hotline Miami. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre après? Enfin, je sais plus, mais ils ont fait pas mal de jeux indés et c'était très génial. Et du coup, quand j'ai vu Rodin, ça me faisait penser à Hotline Miami en voyant qu'il y avait le casque qui me faisait référence derrière à un personnage de Hotline Miami, donc voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter ce petit jeu et je vais faire une petite découverte sur ce jeu. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est comme gameplay, je sais pas comment ça se passe, etc. Je connais rien du tout. Je sais juste que c'est Developer Digital qui a fait ce jeu, donc voilà. Donc, on va faire une nouvelle partie. Alors, il y en a 5. Le vieux sera le premier. Il sait qu'il mérite la mort. Pour le trouver, je dois pirater leur réseau. Alors, si j'ai bien compris, celui qui est entouré, il faut le buter. Voilà, c'est ça le truc. Et du coup, on les quitte dans tout ça. Je pense qu'on est au milieu. Je pense qu'on est au milieu en bas là. Ce que je pense, hein. Non, pas, c'est tellement drôle la photo parce que t'as tout le monde qui font une tête horrible et t'as ceux qui sont en dessous qui font hey, c'est magnifique comme journée, hein? Donc voilà. Donc c'est parti. Premier niveau, il faut tuer ce vieux-là. Alors j'espère que ce sera pas des touches QWERTY parce que. Alors. WS. Ouais, alors pour vous déplacer. Ok. Ok, c'est QWERTY, fait chier. Alors bon, c'est pas grave. Et la souris pour sauter. Oh. Sympa. Ok. J'ai un katana. Ok. Du coup, il faut que je... Ah, d'accord. La part d'espace, ce que je viens de rencontre, c'est que quand... attends. Comment je fais? Alors, attends. C'est que quand on prend la part espace, ça met pause. Ok. Et du coup, je peux pas. Ok, mince. Ah. Ok. Ok, je crois que j'ai compris maintenant. D'abord ça. Non, ça là. Hop là. Ok. Alors, ça rame un peu. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais revenir. Merde, le micro. Non! Alors, option graphique, je pense que. Ah, voilà. Désolé. Oh là. Bon, j'espère. Alors, sauter par la fenêtre. Alors, si ça veut bien. Ok. Ok. Alors, attendez. La fenêtre. Ok. Yaaaah! Discrètement. Alors ça va un peu, désolé. Maintenant, enfoncer le bouton droite de la souris pour déplacer la caméra. Mais d'abord, il faut descendre. Ok, je suis en dessous. Ok. 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 Je peux pas m'accrocher directement là. Hop. Bon. C'est limite. Ah, d'accord. Ok. J'avais pas compris que. Hugo, t'es vraiment con, hein, pour. Ok. Bon, bah, je vais casser cette vitre comme ça. Hop, ça c'est fait. Alors, quand ça casse des vitres, je commence à avoir. Alors, hop là. Je vais voir si je peux pas aller. Bon, c'est pas grave. Hop là. Alors, il y a un avion qui arrive en plein vidéo et il pleut.
Alors, hop, c'était pas ça ce que je voulais faire, j'étais concentré avec. Ok. Étourdissez les ennemis en sautant sur eux. Ok. Ok. Ok, la porte qui s'ouvre tout seul. Ok. Bah, super, second blood. Comment ça, second blood? Bizarrement, j'ai tué qu'un seul ennemi et hop là. Oh, il y a un garde. Enfin, un garde plus puissant parce que. Oh mince. Les combats font tour par tour sauter pour esquiver. La balle. Ok, alors. Je dirais sauter comme ça. Oh, nickel! Tac! Et je l'attaque! Elle est franchement sympa. Ok. La clé. Je passe par là. Ah non, la pluie! Éviter de déclencher l'alarme. Ok. Est-ce que je peux pas sauter là-dessus, là? Ok. Ah ouais, c'est sympa ça. Alors, du coup, hop. Et hop là, ça c'est fait. Bon, je pense que je vais faire. je pense que je vais quand même faire une petite vidéo assez courte comme ça. Je vais faire que le premier niveau, ou deux même. Ce sera plus sympa à deux, faire le niveau 2 quand même. Et je pense que je vais faire 2-3 niveaux et après. Ah, je vais pas finir à attaquer, ouais. Prends ton temps pour couper la personne, hein. Celui-là, il faudrait que j'essaie de sauter sur lui. Attendez, j'utilise mon doigt, le doigt qui sert à tout. Alors, je tirerai plus vers là. À l'attaque! Et bim! La géométrie, la seule chose que je suis nul mais que je suis capable quand même de faire. On pirate. Ok. Du coup, comment je fais pour monter? Bon, je vais utiliser l'ascenseur, hein. Ou tout simplement, je vais casser la vitre, parce que si c'est à la porte d'en bas. Hop. Ok, pas. Hop. Mon personnage aime faire des sauts. Ok, bah je me suis fait carotte. Du coup, je vais monter pour voir s'il n'y a pas quelque chose là-haut. Allez, ok. Ça se prend un peu du temps à faire monter. Hop. Alors, nos objectifs, tuer tous les ennemis. Alors, est-ce que je peux pas voir tous les ennemis avant? Ah. Si la flèche me dit quelque chose, non? Attends, je vais visiter. Il y a un ennemi ici. Ok, si je le tue d'abord lui, ça pourrait être sympa. Je vais essayer comme ça. Suspense. Ok. Pour l'instant, il a rien vu. Il a rien vu. D'accord, casse-toi. Ta gueule, t'as rien vu. T'as rien vu. Ramasser l'épée. Augmente le com la combo. Ah, d'accord. Bah, je crois que le personnage là-bas, il est mort, alors. Ok. Mais je crois qu'il y a. Ok, je le vois, je le vois, je le vois. Ya! La situation qui arrive à personne! Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Alors, du coup, je vais prendre ça. Ok, bah j'ai tous les données, nickel. Alors, rejoignez la moto.
Voilà, une moto. Cette fois-ci, on l'oublie totalement. Alors, est-ce que la moto est là-bas? Parce que si... Ok, bah... Non, non, descends, descends officiellement. Ah. Je vais faire comme tous les grands ninjas. Je vais sauter vers la moto. Bon, dommage. Hop. Bon. Bah, ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de galérer sur cette mission. Alors, je vais, pour vous faire plaisir, je vais essayer de terminer vite fait le deuxième niveau. Et si vous voulez voir un deuxième épisode dessus, vous pourrez me dire dans les commentaires. Alors, points de compétences non dépensés. Bah, du coup, je vais les utiliser. Alors, ouh, il y a un choix de catégorie. Alors, exécuter deux sions à un seul tour, c'est déjà pris. Lancer votre épée sur un ennemi lorsque vous êtes en l'air. Ah, ça peut être intéressant ça. C'est tout un ou. Alors, coup de grâce, exécuter un ennemi étourdi. Prenez un ennemi au plafond par surprise. Rappelez votre épée. Étourdissez tous les ennemis à proximité lorsque vous êtes en l'air. Créez un leurre pour ouais, j'ai du mal à dire, hein. Déstabiliser vos ennemis. Déployez un leurre sans avoir besoin d'utiliser l'hypoprojecteur. Téléportez-vous dans un espace. Ouais. Je dirais. Lequel serait bien? Parce que. Il y en a un qui me plaît bien, c'est prendre l'ennemi. l'ennemi au plafond par surprise. Mais franchement, lancer l'épée, ce serait bien. Et si. Et si, par exemple, j'oublie mon épée, il faudrait bien celui-là, ouais. Du coup, je vais essayer de lancer mon épée. Alors. Ok, bah voilà, j'ai plus de compétences, c'est fait. Alors. Du coup, je vais continuer. Alors. Ok. Alors. Du coup. On avance, tranquille. Visez un mur pendant que vous êtes en l'air. Pour lancer le grappin. Ah, c'est ce que je viens de faire. Alors, est-ce que je peux lancer mon grappin? Hop! Hop là, c'est bon. Ok. Alors, du coup. Est-ce que je peux pas lancer mon grappin là tout de suite? Ah, là je peux. Balancez-vous sur la. Ouais, bon. Je vais passer au-dessus. Non, attends. Non, attends, attends, non. Voilà, et je recommence depuis le début. Allez, allez Hugo le malin. Je vous ai dit que la chauve-souris c'était pour. C'était pas ma base. Alors, du coup. Ah ouais, mais c'est ultra haut quand même. Du coup, ouais, c'était bien fait. Je me suis bien fait baiser. Je voulais casser la vitre, mais malheureusement, non. Ça n'a pas marché. Du coup, il faut que je fasse bien le tour. J'ai perdu quelques minutes. Attends, est-ce que. C'est pas possible là, attends. Je vais pas tout grimper quand même tout ça. Bah voilà, c'est. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Ok, bah. Il y a rien du tout. Comment je pourrais faire? A few moments later. Ah, je suis con! Mais qu'est-ce que je suis con? Bon, c'est pas grave. Ouais, bah du coup, je vais passer par de l'autre côté. Et je vais utiliser ma corde là. D'accord. C'est Spider-Man, le mec. Ah, si tu veux. Bon. Hop là. Et bim! Ça, c'est fait. Alors, du coup, je relance la corde. Et pas du tout, c'est pas ça ce que je voulais faire. Voilà, bah, mon personnage fait le singe maintenant. Hop là. Boum. Mouva, y'a rien vu. Ah, je peux peut-être le choper d'ici là. Non, mince. Hop,
Maintenant, il faut que je m'occupe vite fait de l'autre là. Ah, si seulement si j'arrive à comprendre comment ça marchait ça. Bim! Ah, stylé ça. Je vais passer par là et ensuite je vais utiliser ma corde. Et hop là. Mince. Alors. Ah punaise, mon personnage, il aime bien monter sur les... Alors, épargner les civils. Comment je vais faire? Parce que si... Si je... Ok. Hop là. Je m'occupe de ça. Et hop là. Il a rien vu venir. Oh mince. Fermeture générale. Quoi? Mince. Alors, vite, il faut que je retourne. Je crois qu'il a, il a remarqué. Ah, fait chier. Le serveur il est hook. Il faut que je m'occupe de lui alors. Désolé. Je suis quand même un gros connard, quoi. Ouais, épargner les civils, mais comment veux-tu que je fasse? Vas-y, je vais faire la paix, vas-y. Je suis la personne qui a tué presque tout le monde. Je suis un petit lapin. Ok, c'est là-haut. Ok. Allez, on va monter. Là, il y a quand même beaucoup de gardes. Oui, merci, Hugo. Voilà, il y a tout le monde qui lance quand même CSGO, alors que moi, j'ai arrêté de jouer à CSGO un peu quand même. Alors, hop. Hop. Voilà, on va sauter comme des petits lapins. Malheureusement, je ne peux pas faire ça. Et là... Il m'a pas encore vu. Si je fais ça et ça, là je vais le défoncer, je m'en fous. C'est toi! Hop là, ça c'est fait. Personne n'a rien vu. Si je descends, je me fais baiser, ça c'est sûr. Ok. Je vais voir quand même s'il n'y a pas un... Ah bah ouais, bah... je suis obligé de me faire baiser. Enfin, en quelque sorte me faire baiser, mais peut-être que je peux réussir à contrer. Hop, voilà. On va utiliser l'ascenseur. Ok. Ah, j'ai compris. Ah, pas mal ça. Ah, la musique qui va bien derrière en plus. Ok, j'ai une idée. On va attendre qu'il n'observe rien. Ok. Là, je sors. Et là... Merde. T'as rien vu? Ok, j'ai le... L'autre coup spécial là. Ok. Bon, heureusement que j'ai fait ça parce que je pense que j'aurais pu quand même le pousser et le faire tomber. Ça aurait été un peu bâtard, mais moi je l'ai pas trop fait, je dirais. Hein. Je pirate. Et merde. Vous m'avez rien vu. Alors attends. Ouais, ce serait trop compliqué du coup. Il vaut mieux utiliser la corde. Ok, ça c'est bon.
je vais plutôt m'occuper de lui là-bas. Parce que c'est lui qui a l'arme. Là, j'attaque sur lui, comme ça, si il se relève rapidement. Et lui, je la rattaque derrière. C'est nickel, ce jeu est parfait. Il faut que je le termine. Et non, je vais pas encore sauter là. Tu peux arrêter. Je vais. Ah, c'est avec. En plus, on peut jouer avec les flèches, c'est nickel. J'aurais. Ah bah, je parle des flèches, mais après. Je parle des flèches, mais. Ok. Ok, là, je suis dans un peu dans la merde là. Ok, ça va. Je vais utiliser ça. Est-ce que je peux pas remonter? Eh merde. Ah ouais, bah. Merde, j'ai chié. Putain. Bon. Je vais le terminer quand même ce niveau parce que. Parce que voilà. Et parce que je me suis fait bien. Ah, vite, chope le truc là-bas. Non. Mince. Ok. Alors, tout d'abord, je vais toucher lui. Ah ouais, mais là, je suis un peu dans la merde. Du coup, je vais sauter. Comme ça, ils vont croire que je fais un peu du caca. Et là, j'attaque sur lui. Bim. Je le défonce pas, je décide. Ah ouais, mais. Je décide de sauter en l'air. De lui défoncer. Non, pas du tout. Du coup, je vais plutôt défoncer celui qui est là-bas au fond. D'accord, c'est pas du tout ce que j'ai voulu. D'accord, il y a eu un retour Windows. Je sais pas comment. Bon, de toute façon, ça reprend le gameplay, ça va. Alors, du coup, j'ouvre. Mais là, je sais pas trop comment faire. Ah, peut-être monter comme ça. Et ensuite pouvoir escalader. Peut-être si je peux. Ok, je peux faire ça. Ok, c'est bon. J'ai réussi. Je peux monter l'essence. Je vais plutôt monter. Ah ouais, mais on peut pas, on n'a pas la clé. Ah, par contre, je peux casser la vitre et rejoindre l'autre qui était. Au fond, d'accord. Alors, tout d'abord ça, ensuite ça, et ensuite ça, et hop. J'utilise le grappin et hop là. Ok, je vais voir quand même. Je vais voir quand même si. Ouais, on peut accéder. Du coup, je vais utiliser mon grappin. D'accord. Mais franchement, c'est quand même un beau jeu, hein. On peut le dire, c'est un beau jeu. Alors, du coup, je vais sauter comme ça. Et je vais faire ça. Ok. Oula, merde. TG. Ok. Là, on est sur une bonne voie. On est à peu près sur une demi-bonne voie. Je vais essayer de le défoncer. Boum. On va tenter le. Hop. Hop, ça c'est fait. Je peux pas attaquer l'autre là-bas. Non, il va appeler. Il va appeler sa maman. Non, il pourra pas. Voilà, c'est bon. Voilà, tuer tous les ennemis, ça c'est fait. Par contre, sauver les innocents, c'est pas cool ça. Et hop. Mais je vais remonter sur ma moto. Terminez votre. Ah merde, c'est vrai, il faut pirater le compte. Je vais tellement vite moi à chaque fois. Alors, hop, c'est bon. Ah non, c'est vrai, il faut aller en haut maintenant. Il faut aller monter en haut, il faut monter en bas. On sait plus où il faut y aller. Ah non, bah. Je vois la seule porte qui permet de. La plus proche porte que j'ai, c'est aller descendre et moi je vais comme un con pour descendre.
Voilà. Alors, ça c'est bon. Alors, je vais vous dire quand même un truc, c'est que là, ça va être un let's play normal, c'est-à-dire sans trop montage dessus, quoi. Et du coup, pour les autres let's play, j'en ai un que j'ai prévu pour faire un let's play court. Et là, je pense pas faire un let's play court quand même, parce que il faut que je vous explique un peu comment ça marche et tout. Donc voilà. Donc voilà, on a terminé le niveau 2. Et voilà, épargner les civils, fuck it. Donc voilà. Donc je décide, je décide, oui. Du coup, je vais vous laisser sur cette découverte de Runin, qui est un jeu très sympa que que je trouve très sympa niveau graphisme, niveau gameplay, très sympa, très sympa. Je vous le conseille de sur Steam. Je l'ai eu sur Humble il y a longtemps. C'était sur Teleport Digital d'ailleurs. Et j'ai pu avoir trois petits jeux très sympas que j'ai pu avoir et que j'ai pu partager parce que Humble, on peut partager les jeux à d'autres copains. Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc, sur ce, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Si vous voulez que je fasse une suite, dites-le moi. Et puis, si vous voulez que je fasse quand même un. Si vous voulez savoir mieux l'histoire et que vous voulez pas que je fasse la suite, bah, je vous laisse découvrir et moi je terminerai le jeu soi-même. Donc voilà. Donc, sur ce, je vous dis. sur ce, je vous dis bonnes vacances. Et puis, ciao. Ciao les gens.